Les gars, ça va être chaud, ça va chauffer. Je vais vous passer une petite session de rock là. Let's rock and roll, babies! Yes! Tu vas voir, ça va péter, ça va déménager. Et là, je me suis fait un vrai petit kiff avec ces deux petits sons. Je vais t'en passer un premier qui est un peu plus corsé et le deuxième un peu plus soft rock. Mais tu vas voir, c'est du bon. Hein. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Après, tu me diras ce que t'en penses. Et c'est parti, on fait péter ça sur les. Je sais pas, j'aime bien l'intensité des maniates. Et les gars, je vous ai dit, les maniates, elles sont très rock, elles sont très rock. Je ne cesse de le dire. Et pourtant, je sais pas si j'ai été entendu, mais bon, voilà. Quand je conseille les maniates, je leur dis, les gars, si vous voulez des enceintes qui sont bonnes, fortes dans le rock, rock metal, les maniates, elles sont très très bonnes. Voilà, donc là, je vous passe un autre petit son, Rocky Baby, et plus soft, plus true, plus tranquille. Allez, c'est parti. On est sur les manières. Ah non, mais moi, ça veut dire là. Ça veut dire là. And if you write them, you're in trouble, dear. 'Cause
S'en mettre dans les oreilles, ça fait du bien, ça fait partie du jeu aussi de vous partager ces petits plaisirs que bah, égoïste on va dire, parce que normalement ça tu le fais tout seul, hein, tu le fais chez toi, solo, et là moi je le fais avec vous parce que ça me plaît, ça me fait énormément plaisir. Donc alors, sur ce petit son, qu'est-ce que t'en as pensé? Les Maniates ou les Serwin Vega? C'est dur, hein, c'est quand même dur à départager parce que les deux ont leur charme. Bon, moi tu sais, Maniate. Magnet is power. Avec mon vieil anglais. Non, Magnet, elles ont vraiment la... Elles ont la niaque, ces Magnet. Hein. C'est... Bah, c'est des maniaques. Les maniaques. Voilà, on peut les définir comme ça. J'aime bien ces enceintes-là pour le rock, le métal, tout ce qui est punchy, tu vois. Elles sont là. Et ce qui est bien, en fait, c'est que ça vient pas t'agresser les oreilles. Quand moi, les mecs, on me dit... Nico... Je vais écouter du rock, du métal avec des clips. Je ne comprends pas. En fait, j'ai l'impression de me dire, mais les gars, vous écoutez à quel niveau de décibel? Vraiment, je sais pas. Je sais pas. On a peut-être pas tous la même oreille, mais il y a un truc qui me dépasse. Il y a un truc qui me dépasse. Quand on me dit clips, c'est rock. Frérot, dis-moi, explique-moi le côté rock, parce que pour moi, les clips, enfin dans celles que j'ai. Les RF7 par exemple, tu peux pas écouter du rock, du métal dessus, c'est pas possible. C'est pas possible, surtout en ayant la puissance, quand tu pousses le volume sur les RF7, ça t'en envoie dans la tête, c'est sûr. Mais pour le rock, pour moi c'est pas fait pour ça. Voilà. Donc faut m'expliquer. Alors que là les maniates, elles savent te retranscrire du rock, tu vois. Voilà, c'est une explication que j'essaye de faire comprendre à tous, parce que quand il y a des trucs qu'on va me sortir, des fois je comprends pas, tu mets les deux enceintes l'une à côté de l'autre, tu mets la musique, hein, moi si tu veux, je te fais un comparo direct, hein, tu me donnes une clip, je te la mets à côté de la maniate, on fait un comparatif direct avec du rock, tiens, avec ces deux sons là que j'ai passé, je te fais un comparo direct et tu verras que... Bah que la maniate ira dans le bon sens et la clipche, malheureusement elle se prendra un mur en pleine face, un mur de cymbales si je puis dire. Non mais bon voilà, c'est des trucs que je vous dis parce que moi je connais des personnes qui écoutent du métal, qui écoutent du rock, qui sont exclusivement intéressées par ces genres musicaux. Et le fait d'avoir des enceintes qui vont être hyper, hyper détaillées, enfin, même des enceintes audiophiles, comme je vous le dis, hein, ça ne va pas matcher ensemble. Franchement, ça ne va pas matcher ensemble. Donc voilà, il y a des fois où je me pose des questions sur l'association faite entre les enceintes et le style musical. Donc, j'en reviens encore au fait à dire qu'une enceinte audiophile ne sera pas forcément en adéquation avec un genre. Comme là, le rock que je t'ai passé, là, du rock un peu brut de pomme, mais voilà, au moins tu vois qu'est-ce que je veux dire par là. Donc voilà les gars, voilà. Bon, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de la question. Écoute, on va passer du jazz. Hein, parce que depuis le temps que je parlais du jazz, on va se passer un petit morceau de jazz bien sympathique. Tu vas voir ce que ça va donner.